croire que son personnage était brûlé. En tout cas, pour un gars qui veut innover, il retombe pas mal dans ses vieilles habitudes. Mesdames et messieurs, le Seb Show est de retour. Moi, je ferais la marde en partant, sérieusement. Mais je sais pas c'est quoi le type de vote. Je veux pas me risquer avec un vote à l'interne. Si c'est un vote du public, on va s'arranger pour faire la marde un peu plus. Si c'est un vote à l'interne, il va falloir que je joue mes cartes bien serrées pour être sûr de pas partir le premier. Présentement, je pense que je fais une bonne job. Je vais essayer d'avoir l'air un peu du valet du monde, de ramasser, faire la vaisselle, faire du ménage. Là. Ils sont assez épais pour me laisser en vie juste à cause de tout ça. Je vais essayer de garder de l'énergie, c'est ça le problème, c'est vraiment d'être énergique, d'embarquer là-dedans, puis faire comme, oui, OK, je fais semblant que je suis bien heureux, puis je suis bien friendly avec tout le monde. Quelque part, je m'en calisse. Bon, on va reprendre ma poker face. Puis on va avoir l'air bien friendly avec tout le monde. Bye-bye. À partir de maintenant, vous allez jouer en équipe. Il y aura deux clans dans le loft. Voici les deux chefs de clan. Voici les deux chefs de clan. Big. Sébastien. Nous allons jouer à pile ou face. Le gagnant pourra commencer à choisir ses coéquipiers en premier. Choisissez vos couleurs. Rouge, ouais. Bleu. Vas-y. Ça, c'est quoi? Rouge. Dave. La raison, c'est que c'est un chum à l'extérieur. On est tous... Je connais tout le monde, mais Dave prend la douche avec, là. Fait que... Ultimement, je vais le trahir bientôt, là. Ben, mon choix va se porter sur Cass. Ça a été la personne qui a gagné le plus de challenge. Je sais pas, tu sais, je vais-tu avec un gars, je vais-tu avec une fille? Bon, OK. C'est un joker, ça. Moi, ce gars-là, je peux le mettre sur le premier trio comme je peux le mettre assis sur le quatrième. Puis backup goalie, peut-être. Mon deuxième choix, ça porte sur Hugues. Oh yes! C'est simplement parce que depuis hier, il a l'air vraiment à se donner dans le show. Il essaie de faire rire, il essaie d'être pépé. Il est dedans. Casio. Ça va être un bon joueur, il a quand même assez de caractère, puis c'est ça que je veux. Mon troisième choix, ça va être probablement la fille la plus combative qu'il y a, et je vais choisir Geneviève. Donc, je pense que elle se laissera pas aller dans quoi que ce soit. Alexandra. Parce que c'est la plus grande, je veux pas. Comme l'équipe doit être balancée, force, intelligence, mon choix se passe sur Dominique. Gabriel. On va voir si t'as fait le bon choix. Sini. Delphine. Pourquoi? On vous laisse la crevette. Sébastien. Dernier choix. Il ne reste que Cynthia et Christelle sur le divan. Il y en a une des deux qui sera vraiment pas contente. N'oubliez pas d'aller voter pour l'immunité Bonneville. Sauvez votre lofteur préféré en vous rendant sur le site de lovestory.tqs.ca. On se laisse sur le dernier choix des chefs. Bonne soirée tout le monde. À demain. À la base, c'est pour l'appréciation du public. Il y a une personne ici qui a eu un vote du public. Donc, je le donne à Cynthia. J'ai gardé Cynthia, sincèrement, dans mon team, beaucoup plus parce que je le sais que mon team veut s'en débarrasser. Au fond, Cynthia, c'est ma bouée de sauvetage. Je vais m'y accrocher, puis je vais comme faire garde. Quand j'en aurai plus besoin, elle va prendre le bord, puis je m'en fous. Le rejet, bien écoute,
Ça doit pas être trop le fun pour Christelle, puis on l'a par son nom. C'est pas qu'elle a quelque chose que je voulais pas dans mon équipe. C'est que ce que je recherchais, je l'ai trouvé ailleurs, je pense. Roger, lève-toi et va devant le placement. À partir de maintenant, la personne qui est devant vous n'a plus de nom. Roger, va dans le sas et rapporte ce que tu y trouveras. La raison pourquoi j'ai pas choisi Christelle, en fait, c'est de un, elle s'y attendait. Je voulais la casser un petit peu. Elle prend pour acquis que, mon Dieu, Seb va me baquer. Je pense que, dernièrement, elle s'est tirée dans le pied à plusieurs occasions à mon endroit. Je sais pas, je le file pas, mais on dirait que Sébastien m'en veut personnellement, ou il y a quelque chose qui l'accroche chez moi ou qui aime pas. Elle a passé des commentaires dans des magazines à l'approche de All-Star, des choses comme ça, puis elle me faisait croire « Oh, mais non, c'est pas vraiment ça! » C'est parce que, écoute, la cruche, c'est que moi, je l'ai lu ces articles-là, puis je trouve pas nécessairement que c'est une joueuse qui mérite d'être ici. En fait, je sais que c'est une lâcheuse rapide. Vous pouvez maintenant disposer. T'es belle. Tu te sens bien? Comment tu te sens? Rejet. Rejeté. Mais toi, c'est ça, tu veux que t'es la rejet? C'est quoi qui va arriver? Ben, c'est un peu ça qui me fait peur. Ça va être la médiatrice. Aucune chance que je m'y dis rien là-dedans. Là. Personne va me prendre au sérieux. Ben oui. Toi, non. Toi, j'ai ta gueule! Vaut mieux être une rejette dans le All-Star que pas être privé en tout. Accompagnez vos lofters favoris à New York en juillet prochain. Vivez 3 jours d'émotion et poursuivez l'aventure grâce à touramérique.com. Plaisir garanti.